Bonsoir à tout le monde. Ce soir, je vais faire une recette avec des restes. Donc, il me reste un petit peu de jambon. J'ai du persil, de la vinaigrette, un tout petit peu de haricots, de la salade verte. Et j'ai ici, ce midi, j'ai fait un poulet au four. La recette, elle est sur la chaîne. Donc là, il me reste juste une cuisse. Donc, il n'y a pas assez pour deux individus. Et la carcasse. Alors, je vais dans un saladier dépiauter mon poulet. Donc, je vais prendre, il reste quoi là? Une cuisse. Donc, je vais tout casser ça. On fait des petits morceaux dans mon plat. Voilà, je vais continuer avec tous les morceaux qui me restent ici. La peau, je ne vais pas la mettre. Et je vais compter. Donc ensuite, je vais mettre la cuisse qui est là. Et surtout, je vais prendre tous les restes de viande qui reste sur la carcasse. Ça, je vais couper en morceaux, des petits bouts comme ça, vous voyez. Je vais vraiment tout récupérer, soit avec les doigts comme ça, soit avec l'arrondi d'un couteau. Et je vais nettoyer complètement la carcasse pour qu'il n'y ait plus rien. Je ne mets pas la peau par contre, que je mets de côté. Mais tous les petits bouts de poulet, comme ça vraiment, on aura absolument tout mangé de ce poulet. Donc si c'est du gras, je ne mets pas, mais voyez, c'est des tout petits bouts, et ça va finir mélangé dans la salade. Alors j'enlève la peau et je vais continuer de racler ma carcasse, de couper en petits morceaux mes petits bouts. Et je vais nettoyer ma carcasse jusqu'à qu'elle soit propre, nette. Voilà, donc ma carcasse, elle est complètement nue, j'ai rien laissé. Donc je vais pouvoir donner au chien, c'est très bien, on perd rien du tout. Ensuite, il me reste tout petit bout de jambon. Alors, je vais finir de le couper en petits bouts, parce que si je ne le mets pas dans ma salade, là, demain, il sera passé et il sera fichu. Donc, allez, hop, je rajoute tout ça. Donc, ça fait déjà un joli plat de viande. Donc ça, c'est aussi terminé. Hop, là, j'ai sorti du persil du congélateur. Donc, je vais le mettre dans ma viande également. Voilà. Il me reste quelques petits haricots. Je vais également les mettre à l'intérieur. Encore un plat de terminé. Je vais rajouter dans ma viande quelques tomates cerises. Je vais les couper en quatre. Alors ça, il n'y a vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup, hein, c'est juste pour faire de la couleur. Donc une barquette de tomates, ça va au tri avec ça. Ça, je vais le mettre au frais. Alors, je vais prendre des services à salade. Je vais mélanger mon poulet, mes tomates, mes haricots, mon jambon. Voilà, ça donne ça. Alors maintenant, soit vous le faites chauffer dans une poêle,
Vous rajoutez un petit peu d'eau, de la crème ou du vin blanc, de la crème. Vous faites cuire des pâtés du riz et vous avez une viande, un émincé de poulet ou légumes avec des pâtes ou du riz. Et moi là ce soir, je vais faire des assiettes de salade. Chaque personne, donc j'ai lavé ma salade verte. Je vais en mettre dans mes assiettes. J'ai mis un petit reste de salade de hier soir, parce qu'hier soir on a mangé une tarte au saumon avec une salade verte et puis il me restait 2-3 petites tomates. Voilà, donc là je vais éparpiller tout ceci, faire une belle assiette. Allez, on va tout mettre. Hein. Voilà, belle assiette. Et je vais y éparpiller mes restes de poulet copieusement sur ma salade verte. Et voilà. Voilà, donc j'ai fini absolument tous mes petits restes. Je n'ai plus rien du tout. Donc j'ai préparé une petite vinaigrette. Et voilà le repas de ce soir. Bon appétit !